Nicole, comme tu le sais, ce week-end avec Pierrot, c'est pêche, 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 pêche. Hein, là, j'ai mis ma veste à crevettes, là. Voilà, j'entends Pierrot qui arrive. Ça va, Pierrot? Ça va, ma poule? Ouais, je t'ai Nicole. Ta gueule. Ça te va comme ça? Hein? Eh ben ouais, mon vieux, elles sont dans la bagnole. Viens, 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 viens. Super. Deux jeunes filles. Ouais, l'âge. Alors, une, 16 ans. 16 ans. L'autre, 15 ans. Viens, 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 viens. C'est les Portugais. Viens, t'as pris les fortes patates. Ah ouais, des melons, des spades. T'as fait capote avec ouais, toi j'ai pris une boîte de 150. Eh, je sais pas si ça va. Kiki va niquer les petits fions, Kiki va niquer les... Comment, Nicole? Comment ça, Nicole? Bah, Nicole n'est pas chez sa mère. Non, sa mère va mieux, c'est pour ça... Ah ouais? Oui. Tant mieux, Nicole, tu rigoles. Quand il m'a dit ça, j'étais sur le cul. Merde, c'est vrai. Oh ben tant mieux, ça, tant mieux. Nicole me fait remarquer à juste titre qu'elle voulait venir et qu'elle désirait ardemment venir en pêche avec nous ce week-end. Ouais. Donc je lui disais que ça ne posait a priori aucun problème. Il fallait juste, et là Nicole, je te demanderai d'être attentive mon poussin, se renseigner auprès de Pierrot car il est le spécialiste du gros temps. Alors, Pierrot, je te pose la question en toute amitié, en toute honnêteté. Ce week-end, est-il possible, n'était pas possible pour mon épouse? Voilà. Voilà. Nicole, je te demanderai d'être attentive. Quand ça? Ce week-end, Pierrot. Ce week-end-là? Voilà, ce week-end. Attention, ce week-end. Hein. Aïe. Hein, Nicole, dites pas que je vous ai pas prévenu, moi. Aïe. Hein. Non, ça te fait marrer, Nicole, mais attention. Hein. Aïe. Ah non, mais ce week-end... Aïe. Ah, mais gros temps, t'es pas au courant. Mais Sylvain, le mec de l'EDF, il est parti hier soir. Ah mais je ne savais pas, Pierrot! Je l'apprends et je ne savais pas! Je vais te rire en tant que... Non, là, là, tu me rigoles, là, tu me plaisantes, là. Je ne te plaisante pas et en tout bien, tout honneur... Tu craches, je te jure. Je jure, on dit bien sur ma femme et... Je ne savais pas que si... Roger n'a pas appelé? Roger n'a pas eu la décence de nous appeler. Oh, le salaud! Je ne savais pas! Tu sais que la femme de Sylvain s'est pris un retour de canne en pleine gueule? Pas possible! Attendez, vous me blaguez ou quoi? Mais je te jure, mon Pierrot! Là, elle est à l'hôpital, elle a une flébite, là. Hein. C'est à fois s'ils vont pouvoir lui sauver la patte, là. Hein. Mais je ne sais pas. Non, mais je ne savais pas que tu... Tu as eu parfaitement raison, Pierrot! Alors, à ce moment-là, ça change toutes les données du problème. Il me semble, hein. Bon. Écoute-moi bien, Pierrot. Je vais te poser une question, tout à fait. Bon, ben vas-y, papa, par quatre, je te demanderai en tout bien, tout honneur. Ouais. Je désire avoir un entretien personnel avec mon épouse. Bon, ben fais ta tambouille. Merci bien. T'as même pas besoin de me demander ce genre de truc. Nicole, en tant que chef de famille, je me dois de prendre une grave décision. Nicole, autant tu sais que j'aimerais que tu viennes en pêche avec nous. Mais là, non, ça ne va pas être possible, mon poussin, c'est un non négatif. Voilà. Ah, je crois que c'est pas raisonnable. Je pense. Voilà. Non, faut être à un moment donné, faut être raisonnable. Tout à fait, je pense. On est adulte. Pourquoi Nathalie, elle vient pas, à ton avis? Eh ben non, je ne sais pas. Tu vois, je me suis même pas posé la... Nataloche, mon épouse, tu sais comment on est cul et chemise avec. Oh, hein? Tu sais comment on est, bon, toi-même, tu le dis, ça t'arrive en pêche, tu te dis, hein? Ah oui. Bon, ben moi, je lui ai dit à Nathalie, s'il y en a un de nous deux qui doit partir, je préfère que ce soit moi. Hein? Parce que pour un gosse, tu remplaces pas une mère, c'est pas vrai. Hein? Vous avez pensé à vos gosses? Ben non, tu vois, non. Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne, tous les deux, là? Hein? On est deux tourterelles. Eh ben, c'est bon, tiens, c'est bon, tiens. Ah, les cons, tiens, j'aimerais avoir votre âge. Moi, je t'adore. Allez, on va casser la moyenne, il faut qu'on y aille. Allez, je t'aime, mon poussin. Comment, Nicole? Jeannot, excuse-moi de te forcer un peu la main, mais si on veut pas que ça bouge sur l'autoroute, on va être comme des cons. Ça a l'air important, je te demande à chaque fois, c'est le même bordel avec toi. Comment, Nicole? Je n'entends pas ce que tu me dis, mon poussin. Comment, il y a deux jeunes filles qui attendent en bas devant la voiture à Pierrot? Ah, mais je ne sais pas, mon poussin. Oui, je pense qu'il vaut mieux demander à l'intéressé, je suis tout à fait d'accord. Excuse-moi, j'ai pas entendu les questions de Nicole. Qu'est-ce qu'il y a, Nicole? Nicole me faisait remarquer, à juste titre, qu'apparemment il y avait deux jeunes filles du sexe féminin, c'est ça? Qui attendaient en bas devant ton automobile. Exact. Donc je ne sais pas, qu'en est-il? Je vais te dire, tu connais pas la meilleure. Quoi? Ben, je sais bien, ouais.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Pierrot? Mais c'est pas possible, mais dis-moi que je rêve, c'est pas vrai. On est au 20e siècle, c'est pas vrai. Je savais que ça allait te faire ce choc. Quoi? Il y a un mec qui m'appelle hier. Quoi? Oui, alors attends, le mec, je décroche, tu me sais, moi je sors du boulot. Bien sûr, oui. Je suis crevé, bon. Tout à fait, oui. Je décroche l'appareil. Oui. Le mec se présente. Quoi? Oh là là, mais je suis, mais Bobby, mais on est au 20e siècle, Pierrot, ouais. Je te le rappelle. Le mec me fait. Oui. Oui, comment ça m'engueuler, oui, je sais pas quoi, je me présente Paul Poule. Quoi? Mais je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Et Nicole, on est pour témoin, je t'assure. Mais je suis, mais le tu mec, sais, mais... Le mec, oh, attends. Oh là, attends. Oh là là là, quelle attends. Histoire. Attends. Oui, oui. Le mec me fait... Oui. Je vous ai croisé en concours de pêche avec votre copain. Pas du tout. Déjà, Edwin, je te dis, pas du tout. Écoute, il nous aurait croisé, il m'a dit, bon, vous avez une super canne, bon, on voit le professionnel, il me dit, on fait un reportage sur la pêche au gros, je veux faire un reportage sur vous, je veux vous avoir en gros plan, je veux vous avoir en première découverte. Toi et moi. Mais tu sais, mais ouais, Nicole, je dis comme toi, je m'arrête, j'ai ton téléphone, j'étais là, ah oui, ouais, oui. Un truc comme ça. Non, mais ça te fait pas rire, Nicole, bon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Hein? Et non, mais attention, ça peut prêter... Alors, attends, oui. Ce matin. Mais non, parce que le pire, ce matin, il m'a dit, je vous envoie deux reporters. Quoi? Et ouais, je descends au garage ce matin, j'ouvre la porte du garage, deux reporters, elles étaient dans la bagnole. Derrière, dans la bagnole, à l'intérieur, elle était à moitié à poil. Deux jeunes filles. Tu comprends un truc, toi, ou quoi? Rien du tout. Mais j'en suis, mais tu sais, mais j'en suis. Ça peut prêter à confusion, mais attends. Bien sûr. C'est ce que j'ai dit à Nathalie. Hein. Alors attention, Nicole, écoute bien. Je lui ai dit à Nathalie. Hein. Écoute bien, Nicole. Oh. Attention. Il y a la plaisanterie, puis il y a la pêche, ok? pas de confusion. Non, je veux que tu te marres, Nicole, mais attention. Ok? Je pense, hein. Je pense que c'est la meilleure de toute... Attends, Pierrot, je viens d'avoir une idée. Ouais. Les deux jeunes filles, on est sur l'autoroute. Ouais. Hein, on gambade, on est ouais. Là. Ah, d'accord. Ouais, mais déjà... Ouais. D'accord. À un moment, tu dis, oui, j'ai envie de prendre de l'essence. Ouais, par exemple. Par exemple. Ouais, c'est pas con. Hein. Écoute bien, hein. Moi je dis, tiens, vous voudriez pas m'acheter un petit... D'accord. Ouais, ouais, là, ouais, les deux jeunes filles sortent, et là, hop, on fout le camp. On fout le camp, on part sur l'autoroute, ouais, et puis voilà, on est débarrassé. Comme... Ouais, ouais, mais parce que c'est de la magouille, c'est politique, c'est évident, bien sûr. Parce qu'au bout du compte, c'est qui paye? C'est le contribuable. Vas-y, que je paye, vas-y, que je... Comment, Nicole? Que? On se fout de ta gueule? D'accord. Pierrot, je pense que tu t'es assez foutu de notre gueule. Si tu veux tromper Nathalie, c'est ton problème. En tout cas, je trouve ton attitude dégueulasse. Je suis dégoûté, Pierrot. Dégoûté. J'étais trop naïf. Je t'attends dans la bagnole. Oui, hein? Ça va, ta gueule. Hein? En 10 minutes. Ta gueule. C'est pas ce que tu crois, Nicolas. Alors là, vraiment, je comprends pas. Là. La ménopause ou quoi, ta femme? Te rends compte, Nicole? Un ami de 15 ans. Écoute-moi bien, Nicole. Je vais te faire une promesse comme jamais je n'en ai fait. Le Pierrot, on va le sortir de cette merde, qu'il le veuille pas. Pierrot, joue pas au con!